Bonjour, alors vas-tu t'en sortir financièrement? Je savais que c'est une question, vu le contexte actuel, la situation, les restrictions, avec tout ce qui se passe. C'est vrai que ça peut faire peur. Alors, est-ce que vous allez vous en sortir financièrement? Alors, j'ai eu deux cartes, je les laisse tomber, à l'oracle de Béline. Je prends, voilà, une carte qui m'est venue. Waouh, vous avez de la chance, du Béline. Vous allez être aidé, soutenu. Soit sur le plan divin, le monde invisible, hein, si vous faites des prières. Par exemple, moi, je fais des prières à Saint-Joseph pour m'aider pour le travail, la famille, le côté matériel. Vous, c'est peut-être autre chose, hein. Tout le monde n'est pas obligé de suivre ce que je dis, ce que je fais. C'est juste ce que je partage, hein. Alors là, c'est la pluie. Là, c'est la planète Jupiter, donc c'est l'abondance, c'est vraiment quelque chose, peut-être une personne hein, au niveau bancaire ou de la famille ou de l'argent que vous allez avoir d'un procès qui va rentrer pour vous permettre justement de vous offrir ce que vous souhaitez, les passions, peut-être voyager, un voyage que vous souhaitiez, et vous allez peut-être être aidé par quelqu'un de la famille ou un amoureux, qui sait. Ou alors, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir des augmentations par un chef d'entreprise ou une meilleure situation financière grâce à un meilleur travail, un poste, hein, ou avec un chef d'entreprise ou vous-même qui êtes chef d'entreprise et qui allez augmenter votre clientèle, vos revenus, votre chiffre d'affaires. Les passions, c'est tout ce que vous allez pouvoir vous offrir parce qu'on est quand même sur le monde matériel, hein. Faut pas l'oublier, donc on peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, hein. Donc vous allez être aidé pour pouvoir investir ou retrouver du plaisir, hein, dans un meilleur pouvoir d'achat ou même des choses qui vous font plaisir, que vous aviez besoin pour vous sentir mieux dans votre vie, des passions, ce que vous souhaitez faire avec cet argent. C'est pas forcément négatif l'argent, hein. La girouette, vous êtes perdu en ce moment dans votre situation financière. Et il y a eu quelques catastrophes, la maison Dieu. Mais on me dit peut-être demander là-haut et aller vers ce que vous aimez le plus pour pouvoir l'obtenir, parce qu'on vibre ce que l'on est. Donc si vous êtes dans des énergies plutôt, oh là là, ça va pas, je m'en sortirai jamais, c'est clair que vous allez attirer du négatif. Donc essayez d'être positif et de vous faire aider ou demander là-haut. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc pour moi, c'est quand même pas mal parce qu'on a le bonheur et vous allez retrouver une bonne situation matérielle et financière. Le